Découvrez dans ce livre un mode de vie qui vient du Japon. Possédez moins pour vivre mieux. Ce livre explique comment vider son logement pour se sentir mieux. Pour Dominique Leroy, le minimalisme permet de rendre sa vie plus simple et de changer ses habitudes. Elle propose un mode de vie différent du matérialisme de notre société de consommation. Elle nous invite à acheter moins pour trouver le bonheur en nous et pas dans les objets que nous achetons. Elle nous aide aussi à réorganiser notre emploi du temps pour avoir plus de temps pour nous, pour notre famille et nos amis. Chérie, tu sais où est ma chemise bleue Oui, sur le lit. Et ma cravate jaune, elle est où Dans le salon, sous ta veste. Mais non Mais si, mon chéri Ah oui, tu as raison. Comme d'habitude. Et mes chaussures noires, où elles se trouvent Derrière le canapé, c'est tout Oui, enfin, non la rue des Oliviers, tu sais où c'est Ça, je suis désolée, je ne sais pas. Salut Yunus, j'ai appris que tu allais partir. Tu vas où Eh oui, je vais travailler à Lille. C'est loin, ça, dis donc. Mais tu as acheté une maison il n'y a pas longtemps, non Qu'est-ce que tu vas en faire Oui, c'est vrai. Une petite maison devrait pouvoir se louer facilement, tu ne crois pas Et puis, sinon, je vends. C'est sûr, tu pourras la louer. Elle est superbe. Et Toby, il vient avec toi quand même. Ah oui, jamais sans mon chien. <laughs> tu es content de partir Oui, c'est une nouvelle expérience. Mais je ne verrai plus mes patients. Je ne vous verrai plus. Bah oui, mais on restera en contact. Oui, je vous écrirai. Et je vous enverrai des patients. <rire> <rire> je ne pense pas qu'ils viennent ici. Mais bon, on ne sait jamais. <laughs> et tu pars quand alors Je déménage à la fin du mois. Bon, bah, on aura encore l'occasion de se voir alors. Oui, je ferai une petite fête avant de partir, pour dire au revoir à tout le monde. Super idée. Dis, je dois y aller, mes patients m'attendent. Oui, moi aussi. À bientôt 1. Oh. Moi, c'est Marie. La gastronomie québécoise est très jeune si on la compare aux gastronomies européennes. J'ai lu que certains magazines spécialisés mettent Montréal dans le top 10 des destinations gastronomiques dans le monde. Peut-être parce que beaucoup de jeunes chefs réinventent nos classiques. Par exemple, la poutine. Des frites avec du fromage fondu et une sauce brune. 2. Moi, c'est Philippe. La gastronomie québécoise a toujours évolué. Les Amérindiens nous ont transmis l'habitude de mettre du sirop d'érable sur nos viandes. On aime le sucré salé. Mais la gastronomie est ouverte et les ingrédients nouveaux sont très bien acceptés. Notre cuisine évolue avec les ingrédients que l'immigration apporte, c'est une chance. 3 Moi c'est Jean. La gastronomie québécoise, c'est des recettes de nos grands-mères, c'est tout un patrimoine. Les touristes qui vont dans nos restaurants peuvent découvrir nos vieux classiques comme la cipaille, une recette populaire qui mélange du bœuf, du porc et du poulet dans une pâte fine avec des épices douces. Ces plats, un peu lourds, correspondent à notre culture et à nos hivers froids. Pardon monsieur, pour aller au château s'il vous plaît. Continuez tout droit jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis prenez la troisième à gauche. Excusez-moi, vous pouvez répéter. Après le pont, tournez à droite et prenez la troisième route à gauche. D'accord. Après, ne traversez pas le village. Tourner avant, c'est là. Je ne comprends pas bien. Il faut tourner à droite ou à gauche À gauche. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait samedi Ben, on fait les courses. À quelle heure À 9h. Oui, mais moi, je ne veux pas rester au supermarché jusqu'à midi. Mais non On fait les courses de 9h à 11h et après, on va à la plage. Oui, mais jusqu'à quelle heure on reste à la plage Moi, je veux voir le match de foot. Il est à quelle heure ton match À 4h30. Oh, on ne va pas rester à la plage jusqu'à 4h. On peut rentrer vers 3h, heures, 3h30. Heures et, et on mange quand À 8h précises, ma mère vient dîner à la maison. Et à midi, on ne mange pas Pardon monsieur. Vous êtes bien Philippe Oui. Et vous êtes Nathalie. Bonjour, vous allez bien Ça va, merci. Mais c'est la première fois. Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence. Vous habitez au centre-ville Oui, j'ai un grand appartement. Et vous Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcée, je crois. Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a 12 ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr, mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous 36 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. Ce n'est pas un problème. 1. Hein. Moi, c'est Marcos. Je ne peux pas faire du shopping parce que je travaille de 8h à 20h du lundi au samedi et les magasins sont fermés le dimanche. Pour moi, acheter en ligne me fait gagner beaucoup de temps et je n'ai pas besoin de courir faire les magasins pendant ma pause déjeuner. Je commande sur Internet mes vêtements, mes livres et mes appareils technologiques. D'habitude, je fais mes achats avec mon smartphone dans le bus ou dans le métro. 2. Moi, c'est Pierre. Je n'achète pas souvent en ligne. J'aime aller dans les magasins pour voir les produits ou toucher le tissu des vêtements et les essayer. La seule chose que j'achète sur Internet, ce sont mes billets d'avion ou de train pour partir en vacances. C'est pratique et rapide. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Je fais ça depuis mon ordinateur le soir avant de me coucher. Je prends le temps de comparer les offres des compagnies aériennes pour trouver les meilleurs prix. 3. Moi, c'est Nicoletta. J'achète quand je veux, d'où je veux. Je fais mes achats en ligne avec mon téléphone ou ma tablette. Le soir, je surfe sur Internet pendant les publicités à la télé. Habituellement, j'y achète mes produits de beauté et les vêtements de mes enfants. Je compare souvent les prix pour trouver les bonnes affaires et faire des économies. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises? Deux, trois, quatre. Ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons? Bien sûr. Et tu sais à quel âge les filles se marient ici? Ben je ne sais pas. 23 24 ans? Non, vers 27 ans. Et les garçons vers 29 ans. Et vous avez beaucoup d'enfants? Presque deux par famille. Pas mal, non Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Alors, que vous arrive-t-il Je ne me sens pas bien depuis quelques jours. Vous avez de la fièvre Non, pas de température. D'accord, donc si vous n'avez pas de température, ce n'est pas une infection. Je pense que c'est un petit rhume. Qu'est-ce que vous pouvez me prescrire pour le rhume vous allez prendre du paracétamol pour la douleur et de la vitamine C pour vous redonner de l'énergie. Vous pouvez aussi vous laver le nez avec du sérum physiologique. Vous avez cela chez vous Du paracétamol oui, mais pas le reste. <laughs> Voici votre ordonnance. Merci. Tenez, ma carte vitale. Dis-moi, Pierre, comment tu classes tes livres moi, je déteste l'ordre alphabétique. Je trouve ça trop impersonnel, alors je les regroupe par nationalité ou par thème. Bien sûr, je mets les romans d'un même auteur tous ensemble. Mais toi Moi, ça dépend. En général, je mets les gros livres sur une étagère et les poches sur une autre. Je range les poches par genre la science-fiction, les polars et la philosophie. Et puis, j'ai une étagère spéciale pour les livres qu'on m'a offerts. Et là, je les mets par ordre chronologique. J'ai lu que notre façon de ranger notre bibliothèque révèle beaucoup de choses sur nous. Peut-être. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes le 21 juin, l'été est arrivé. Ce sont bientôt les grandes vacances et c'est notre sujet du jour avec Didier Besson. Bonjour Didier. Bonjour Thierry. Ce matin, vous allez nous parler des vacances des Belges. Tout d'abord, dites-nous combien de Belges vont partir en vacances cet été. Cet été, 60% d'entre eux partiront en vacances. C'est plus que l'année dernière où seulement la moitié des Belges est partie en vacances pendant l'été. Et les Belges sont-ils des juilletistes ou des aoutiens Ils préfèrent partir au mois de juillet, mais les aoutiens partent plus loin. Alors, plus de Belges vont partir cette année. Est-ce qu'ils vont aussi dépenser plus que l'année dernière Eh bien non, Thierry. Le budget est plus petit cette année, environ 2200 euros par famille. C'est pour cela que les Belges ne vont partir qu'une seule semaine. C'est la nouvelle tendance de cette année. On s'offre des vacances, mais pour une plus courte période. Et où iront les Belges cet été La France reste la destination préférée des Belges. Un tiers d'entre eux iront en France. Un Belge sur cinq ira en Espagne. Les autres resteront en Belgique ou iront aux Pays-Bas ou en Italie, par exemple. Un peu plus de 15% des vacanciers quittent l'Europe. Et pour le logement De plus en plus de Belges séjournent dans la maison d'un membre de la famille ou dans celle de leurs amis. Cette année, ils sont 35% à faire ce choix 30% choisissent de loger chez l'habitant et un quart va camper. Merci Didier Besson pour toutes ces informations sur nos habitudes estivales. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous souhaitons de bonnes vacances. Tu veux faire du vélo avec nous dimanche matin oui, c'est une bonne idée. Vous allez où Au bord de la mer. C'est facile. Tu peux venir avec ta fille. Pourquoi pas Elle adore faire du vélo. Mes enfants aussi, ils aiment beaucoup ça. Et à midi, on fait un pique-nique Non, on mange à la maison. Je vous invite. Oh, merci, c'est gentil. Et ce vase Je l'aime bien, moi. Moi non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ces verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop cher. Et ça Ça te plaît Quoi La lampe Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof. Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles Non, je prends le TGV. C'est moins cher et aussi rapide. En plus... Tu pars du centre de Paris et tu arrives au centre de Bruxelles. Vous les Français, vous prenez souvent le train Bien sûr. Avec le TGV, tu peux aller à Londres, à Marseille, à Bordeaux, et faire l'aller-retour dans la journée. Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France. Il y a beaucoup de choses à voir. La mer, la montagne, la campagne, les villages anciens, les villes modernes. Des monuments partout. Les étrangers aussi font du tourisme en France, surtout à Paris. Bonjour madame. Un billet pour Marseille, s'il vous plaît. Vous voulez partir quand Maintenant. C'est possible Alors... Euh, vous avez un train à 11h50. Il est 11h52, c'est trop tard. Ah zut Quel dommage Après, il y a un TGV à 14h18. Il n'y a pas de train avant Non, je suis désolée. Ah, c'est bête. Bon, ben, tant pis, je prends le TGV. Un aller simple Non. Un aller-retour. En première ou en seconde classe En seconde. Voiture fumeur ou non-fumeur Non-fumeur. Voilà. 25 euros. Il part du quai numéro 2, voie A. Allô Bonjour. Je voudrais parler à monsieur Dufour, s'il vous plaît. C'est de la part de qui Béatrice Gallet. Un instant, s'il vous plaît. Je suis désolée, il est en ligne. Vous pouvez rappeler cet après-midi Ah non, c'est urgent. Vous voulez laisser un message Oui. Je suis à mon bureau jusqu'à midi. Il a votre numéro Je ne sais pas. C'est le 04 67 64 46 24. Très bien. Allô, bonjour, c'est Carole. Est-ce que je peux parler à Simon Oui, ne quittez pas, je vous le passe. Simon, c'est pour toi. Bonjour, Carole, ça va Très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir Tu es libre Pourquoi J'ai rendez-vous avec des amis pour aller au restaurant. Tu veux venir Oui, mais je ne les connais pas, moi. Ils sont sympas, tu sais. Bon, d'accord. On se retrouve où Devant le café du parc, à côté de la fontaine. À quelle heure Vers 8 heures, ça te va Oui, je pense. Ah oh, mais non, je dois voir Sophie ce soir. Et alors Téléphone-lui et invite-la Pourquoi pas Salut Patrice Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a Non. J'ai mal à la gorge et je crois que j'ai de la fièvre. Tu as une angine Je ne sais pas. J'ai mal aux jambes aussi et au ventre. Tu as peut-être la grippe Va chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3 heures cet après-midi. Tu viens au cinéma avec moi Non, j'ai rendez-vous chez le médecin. Tu vas chez le docteur Marie Non, chez un autre. C'est à nouveau. Et qu'est-ce que tu as Je suis enrhumé. Ça, c'est bien français. Chez moi, on ne va pas chez le médecin pour un rhume. Nous, si, un Français va chez le médecin huit fois par an. Enfin, plus ou moins. Et pour un rhume, tu veux prendre des médicaments Bien sûr Tu sais, on achète beaucoup de médicaments en France. On est les champions. Et les médicaments, tu les achètes où À la pharmacie, bien sûr. Vous avez des chemises grises Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Euh, mon fils est un peu plus grand que moi. Quarante-deux alors Voilà, monsieur. Elle vous plaît Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer Bien sûr, monsieur. Bon, euh, alors je vais la prendre. Vous réglez comment Par carte. Vous pouvez taper votre code Oui. Je vous fais un paquet cadeau Oui, merci. Tu connais la recette des crêpes Bien sûr, c'est facile. Comment on fait Il faut de la farine. Des œufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh doucement, il faut combien de farine Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les œufs. Combien Oh, tu en mets 4 et tu mélanges. Et après Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout Non quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre? Ah oui. Tu en mets 50 grammes et tu attends une heure ou deux. Et après? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire une minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite Il est mignon C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide Et le petit brun là, il a l'air gentil Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche Elle n'est pas mal C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais... Pas très sympathique. Et le directeur, il est où Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros C'est vrai, mais il est super, tu sais. Intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde C'est mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Qu'est-ce que tu fais le week-end Souvent, je reste à la maison, mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café. On a parlé. C'est tout Non. On a mangé au restaurant. Et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à l'île Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4h du matin. Mais après, <laughs> j'ai été malade. À une soirée. Tiens, Patrick, bonsoir. Bonsoir, Edouard. Comment vas-tu Bien, merci. Et toi Bien. Je te présente Evelyne, ma cousine de Saint-Flour. Enchantée, madame. Comment allez-vous Bien, et vous-même Bien. C'est votre première visite à Strasbourg? Non, je suis déjà venue ici l'année dernière. Ah, j'aperçois Olga. Je vous laisse faire connaissance. Au bureau. Ah, Lambert, vous voilà. Je vous présente Madame Delaunay, qui arrive de notre succursale de Bangkok. Monsieur Lambert, notre directeur financier. Ravi de vous connaître, Madame. Enchantée, Monsieur. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Mais c'était un peu long tout de même. Soirée. Belle soirée, n'est-ce pas Oui. C'est la première fois que vous venez ici, non Non. C'est dommage que je ne vous ai jamais vu avant. Quel est votre prénom Catherine. Moi, c'est Philippe. On peut se tutoyer Regarde notre dragueur de service. Eh oui. Un peu d'aide. Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous m'aider Désolé, je n'ai pas le temps. Monsieur, s'il vous plaît, mon pneu est crevé. Je suis pressé. Débrouillez-vous. Vous avez un problème Je peux vous donner un coup de main Avec plaisir, monsieur. J'ai crevé. Je vais vous changer le pneu. C'est gentil de votre part. Quelques minutes plus tard. Et voilà, ça y est. Merci beaucoup, monsieur. Vous m'avez retiré une sacrée épine du pied. Je vous en prie, madame, c'est tout naturel. Avec l'aide de mes amis. Dis, Fatou, tu pourrais me rendre un service ça dépend. Qu'est-ce que tu veux Tu peux me garder mes poissons rouges pendant les vacances. Tes poissons rouges Oui, il suffit de les nourrir une fois par jour. Tu pars combien de temps Seulement une semaine. Bon, je veux bien, mais pas plus. Après, je m'en vais aussi. Au guichet de la poste. Bonjour. Je voudrais envoyer un paquet en Suisse. Oui, non, recommandé Non, normal. Il faut remplir cette fiche pour la douane. D'accord. Il arrivera dans combien de temps Une petite semaine. Ah bon. Ça fait combien 7,30 trente. Voilà. Merci. Au revoir madame. Taxi. Taxi. Taxi Mais non, ça ne sert à rien de l'appeler. Il n'est pas libre. Tu ne vois pas que le voyant jaune est allumé Ah bon Taxi Taxi Vous allez où Place de l'Opéra. Ah, désolé, ce n'est pas ma direction. Je rentre à Levallois. Ça fait 20 minutes qu'on attend, j'en ai marre. On prend le métro Attends, en voilà un. Taxi Taxi Place de l'opération. Si oui, vous avez un itinéraire préféré Bon. Mais essayez de faire le plus vite possible, nous sommes déjà en retard. Je ne vous promets rien, il y a beaucoup d'embouteillages quand il pleut. Contrôle d'identité. Police française, bonjour. Contrôle d'identité. Bonjour. Vos papiers, s'il vous plaît. Vous savez que vous devez avoir votre passeport avec vous? Je ne parle pas français. Touriste japonaise. Votre passeport passeport. You speak English? English? Non Japonaise Tu parles japonais, toi? Tu crois que je serais un simple flic si je parlais japonais? Bon, ça va pour cette fois. Vous pouvez circuler. Merci. Au revoir, madame. Erreur. Allô, nouveaux horizons Ah non, monsieur, c'est une erreur. Vous n'êtes pas nouveaux horizons Non, monsieur. Quel numéro demandez-vous Le 05-77-34-72-00. Ah, vous avez fait un faux numéro. Ici c'est le 0567. Ah merci, excusez-moi madame. Ce n'est rien. Au revoir monsieur. Disque. Nouveaux horizons, bonjour. Allô, bonjour madame. C'est pour une réservation. Tapez sur la touche étoile. Alors, c'est le bon numéro cette fois Oui, mais c'est un disque. Chut, je n'ai rien entendu. Nouveaux horizons, bonjour. Écoute, je vais passer à leur agence demain matin. Il y en a une juste à côté d'ici. Rendez-vous chez le coiffeur. Espace coiffure, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ici, madame Ladurie, je voudrais prendre rendez-vous pour mercredi. Oui, madame. Qui est votre coiffeur C'est Jean-Pierre. 10 heures, cela vous convient-il Je préférerais un peu plus tard. 11h30 C'est parfait. Vous pouvez me rappeler votre nom. Madame Ladurie. Bien. Madame Ladurie, mercredi 11h30, c'est noté. Au revoir, madame. À mercredi. Au revoir, mademoiselle. Invitation à dîner. T'es sûr que c'est ici Mais oui, regarde, c'est le 36. Sonne Éric, on sonne. Tu peux aller ouvrir J'y vais. Ah, c'est vous. Bonsoir. Bonsoir. Excuse-nous pour le retard. On a eu un mal fou à se garer. Pas de problème. Entrez donc. Tiens, c'est pour vous. C'est très gentil, merci. Julie, regarde le beau bouquet qu'ils nous ont apporté. Oh, elles sont magnifiques. Vous avez fait des folies, il ne fallait pas. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous buvez Qu'est-ce que tu as Du kir ou du jus d'ananas Nathalie, qu'est-ce que tu prends Pour moi, un jus d'ananas. Moi aussi. Un peu plus tard. Le dîner est prêt À table Je me mets où Toi ici, à côté de moi, et Nathalie à ma droite. C'est magnifique Qu'est-ce que c'est Une terrine de saumon. J'espère que vous aimerez. Bon appétit En fin de soirée. Il se fait tard, il va falloir qu'on y aille. On travaille tôt demain. Vraiment Vous ne voulez pas un dernier verre Non merci, je conduis. Au revoir, le dîner était vraiment délicieux. Merci Au revoir, bon retour Au revoir, on s'appelle, hein Oui, bonne route Condoléances. Oh, Pierre, j'ai appris la disparition de votre père. Toutes mes condoléances. Merci, Jacques. C'était un homme charmant. Nous le regretterons tous. J'ai beaucoup de peine pour vous. Oui, c'est une grande perte. Et c'est arrivé comment Il a eu une attaque pendant la nuit. J'espère qu'il n'a pas souffert. Le docteur a dit que non. C'est triste à son âge. Il était encore jeune, non Il venait d'avoir 70 ans. En tout cas, si je peux vous être utile, n'hésitez pas à me faire signe. D'accord. Merci. Le nouveau DRH. Alors, le remplaçant de Mollet, le nouveau DRH, tu l'as vu Oui. Je sors de son bureau. Elle a l'air sympathique et compétente. Elle a le sens du contact. Elle. c'est une femme Oui. Elle s'appelle Myriam Duchemin. D'où vient-elle De l'agence de Rennes. Je crois qu'elle est bretonne. Et quel âge a-t-elle Elle est plutôt jeune pour le poste, la trentaine. Eh bien, au moins, ça va nous changer de mollet et de sa petite moustache ridicule. C'est parce qu'il est parti en retraite que tu dis ça. Avant, tu n'aurais jamais osé le dire tout haut. Le copain de Sandrine. T'as vu le nouveau copain de Sandrine Non. Raconte Il est comment C'est un grand brun frisé. Il est d'origine marocaine. Il est beau Pas mal du tout. Assez athlétique, il fait de la muscu. Un peu le genre Superman, tu vois Ah ouais Et il a l'air sympa Oui, il rit tout le temps. Ils s'entendent bien tous les deux. Elle l'a rencontré où Ils sont dans la même classe, en terminale. Je ne comprends pas comment Sandrine a trouvé un mec pareil. Elle qui est toute petite et maigre comme un clou. Tu ne serais pas un peu jalouse, toi Portrait robot. Alors, madame, décrivez-moi votre agresseur. C'était un homme d'un certain âge, à l'allure bizarre. Quel âge a-t-il environ Je ne sais pas. Une soixantaine d'années Il n'était pas très grand. Quelle est la couleur de ses cheveux Il était un peu chauve, avec des cheveux blancs. Il avait aussi une longue barbe blanche. Et ses yeux Il avait les yeux bleus. Bien. Et comment était-il habillé Il portait un long manteau rouge. Rouge Vous en êtes sûr Oui, il était déguisé en Père Noël. Je ne vous l'avais pas dit. Au bureau des objets trouvés. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'ai perdu mon parapluie hier. Est-ce que quelqu'un l'aurait retrouvé Nous allons voir. Où l'avez-vous perdu exactement Dans le bus 38, du côté de la gare du Nord. Comment est-il Il est assez grand, gris. Le manche est en quelle matière En bois clair. Un instant plus tard. C'est celui-ci Ah non Le mien est en meilleur état et plus foncé, presque noir. Tenez, c'est celui d'à côté. Je le reconnais. Impossible, madame. Nous l'avons depuis une semaine. Le mal du pays. Salut Bruno Ça va T'as l'air triste, abattu. Qu'est-ce qui ne va pas Je ne sais pas, je me sens triste malade Non, c'est pas ça. Tu sais, Sandrine, quand je suis arrivée, j'étais émerveillée, tout était nouveau et si différent de chez moi. Mais ça ne te plaît plus d'être ici Si, si, bien sûr, mais j'ai la nostalgie de mon pays, des odeurs, des plats que ma mère préparait. Ma famille et mes amis me manquent. Tu peux pas imaginer à quel point tout ça me manque. T'as des amis ici aussi Tu m'as moi et la cuisine, elle est délicieuse ici. C'est pas la même chose. Tu peux pas comprendre. T'as jamais quitté ton pays. Le talis. 1 hein. Pardon, monsieur. Vous êtes à ma place, je crois. Voiture 16, place 87. Oh, vous avez raison. J'ai la place 89, je me suis trompé. Excusez-moi. Je vous en prie. Euh, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. C'est lourd. Oui, bien sûr. Attendez. 2. Vous avez un petit accent. Vous n'êtes pas canadien Si, si, bravo. Vous avez une bonne oreille. Je viens de Montréal. Je vais chez mon oncle et ma tante. Ils habitent près de Bruxelles. Et vous, vous êtes belge Non, française. Mon copain vit à Bruxelles. Il travaille pour l'Union Européenne. Je vais passer le week-end avec lui. Ce n'est pas facile pour vous. Aussi, avec le Thalys, 1h20 de train, ça va. Et... Vous allez à Bruxelles tous les week-ends Non, un week-end sur deux. Mais on se voit chaque week-end. Une fois c'est moi, je vais à Bruxelles. Une fois c'est lui, il vient à Paris. C'est un peu cher, mais c'est bien. J'ai adoré le rôle. Stella Jourdan, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission. Star d'aujourd'hui. Vous venez juste de terminer un film romantique, Amour d'un jour. Ça va Pas trop fatigué Si, bien sûr. Mais j'ai adoré le rôle. C'est un rôle en or. Un vrai bonheur. Et vos partenaires Charles Bruno Eva Morales Oh Charles est vraiment quelqu'un de merveilleux. Ça s'est très bien passé avec lui. Et maintenant, vous avez des projets D'abord, je vais me reposer. Depuis la fin du tournage, je dors beaucoup. Je me couche tôt, je me lève tard. Ensuite, à partir de février. Vous retournez à votre premier amour, le théâtre, je crois. Vous allez jouer dans un tramway nommé Désir, n'est-ce pas Vous savez tout <laughs> Oui, je vais jouer le rôle de Blanche au théâtre Antoine. J'aime beaucoup Tennessee Williams. Et le rôle de Blanche est un rôle difficile mais magnifique. Merci beaucoup Stella Jourdan. Et maintenant, un peu de musique. Mon copain vient de Chine. Et maintenant, notre émission Tous copains, tous différents. Aujourd'hui, Mathilde, étudiante en master d'économie à Paris 10, nous parle de son ami chinois Di. Bonjour Mathilde. Alors, votre ami dit, vous le connaissez depuis longtemps Depuis deux ans. Quand il est arrivé, il ne parlait pas très bien français. Nous avons fait connaissance à la cafétéria de l'université. Il voulait un thé vert, mais il ne savait pas bien expliquer. Alors, je l'ai aidé. Ensuite, nous sommes devenus amis. C'était difficile pour lui la première année Oui, un peu. Il était très stressé, mais il a réussi tous ses examens. Il vient d'où, votre ami dit Il est né et il a vécu pendant 22 ans à Chengdu. Où À Chengdu. C'est une grande ville dans le centre de la Chine. Ah, d'accord. Vous pouvez nous parler de lui Il est comment alors, euh, il est un peu timide, sérieux, mais il aime aussi s'amuser. Il est sportif. Il joue au foot le dimanche matin. En plus, c'est un bon musicien. Il joue de la guitare. Moi, je joue du violon. On joue ensemble dans l'orchestre de l'université. Merci Mathilde. La semaine prochaine, Charles va nous parler de son amie brésilienne, Ella. Une visite au musée Rodin. Tu connais le musée Rodin Quel musée Le musée Rodin. Tu sais, Rodin, le sculpteur. Moi, je trouve que c'est le plus beau musée de Paris. J'y vais souvent. Ah bon Le plus beau Plus beau que le Louvre. Pourquoi D'abord, parce qu'il est installé dans un hôtel particulier superbe. Ensuite, parce qu'il y a un grand jardin avec des statues de Rodin. Des statues magnifiques. Et puis, ce musée n'est pas trop grand. On peut le visiter facilement. Et enfin... D'accord, d'accord pour cette petite merveille. Allons-y. C'est où À côté des invalides. Tu vas voir, tu vas le trouver super. Et le printemps, c'est la meilleure saison pour le jardin. On y va quand on part tout de suite ou on déjeune avant Non, on va déjeuner là-bas. Il y a une cafétéria dans le jardin. Tu es sûr que c'est ouvert? Aujourd'hui mardi? Le mardi, les musées sont fermés. Pas le musée Rodin. Il ouvre tous les jours, sauf le lundi. Et ça ferme à quelle heure? Six heures. On a le temps. J'ai 10 kilos à perdre. Dis donc. Dans un mois, c'est les vacances. J'ai 5 ou 6 kilos à perdre. Et moi, 10. On fait un régime. D'accord. À deux, c'est plus facile. On commence quand Aujourd'hui. Alors, pas de pain, pas de sucre. On arrête le chocolat et les gâteaux. Oh, un petit gâteau de temps en temps. Ah non Plus de gâteaux. Fini les gâteaux. Mais. Un peu de sucre, c'est bon pour la santé. Oui, mais c'est mauvais pour la ligne. Bon, pas d'alcool, plus de soda. Mais qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qu'on va boire On va manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, on va boire de l'eau. Les frites, c'est des légumes C'est permis Mais non, les frites, c'est interdit, ça fait grossir. Et puis, pour maigrir, on va faire de la gym, courir tous les matins une heure. Oh là là, je déteste courir. Tu veux faire un régime, oui ou non? Tu vas voir, on va les perdre nos kilos. Euh, il n'y a pas de médicaments pour maigrir sans régime. Mais non, les médicaments c'est dangereux. Allez, viens, on va au marché. Ma pauvre Jessica. On prend des bananes Non, c'est trop sucré. On va prendre des pommes, c'est mieux. J'en voudrais 2 kilos, monsieur, s'il vous plaît. Et avec ça Vous avez de la salade Ah non, je n'en ai plus. Désolé. On achète des haricots verts On va en prendre à franc prix. C'est moins cher. Mais les tomates sont superbes. Un kilo de tomates. S'il vous plaît, monsieur. Il y en a un kilo de sang. Ça va Oui. Pas de problème. Et puis, euh, donnez-moi cette ananas, s'il vous plaît. Et ce melon. Euh, C'est tout. Hum, ça fait combien Alors, deux kilos de pommes, 5,50. Les tomates, 2,40. L'ananas, 2,10. Le menon, 3,20. En tout, euh, ça fait 13,20 euros. Donnez-moi 13 euros, ça va. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. Qu'est-ce qu'il faut Des œufs On en a encore à la maison euh, J'en ai acheté dimanche, mais je crois qu'il n'y en a presque plus. Prends-en une boîte de 6. Du beurre, du beurre. Mais tu es folle. Jamais de beurre dans un régime. Pas de beurre, pas de fromage. Non, on va prendre des haricots, des épinards et du poisson dans les produits surgelés. Euh, du poulet. Regarde cette pizza aux quatre fromages. Mmh. J'ai envie d'une bonne pizza. Jessica, voyons. Une pizza, jamais! Mais oui, ma pauvre Jessica, il faut souffrir pour être belle. Les conseils de Bison Futé Bientôt le week-end. Attention, Bison Futé annonce un vendredi rouge, un samedi et un dimanche noir. On attend plusieurs millions de voitures sur les routes. Voilà, comme chaque année, quelques conseils pour votre voyage. Avant le départ, d'abord prudence. Est-ce que votre voiture est en bon état Vérifiez. Et puis, attention, depuis 2008, le triangle de signalisation et le gilet de sécurité sont obligatoires. Ne les oubliez pas. Ça y est, vous êtes parti. Buvez de l'eau et arrêtez-vous toutes les deux heures. Vous en avez besoin, les enfants aussi. Pour eux, les voyages, c'est toujours long. Vous avez pensé à prendre des CD, des DVD N'oubliez pas de leur donner à boire. Ils vont avoir soif. S'ils ont faim, pas de gâteau. Donnez-leur un fruit. Les enfants doivent avoir leur ceinture attachée pendant tout le voyage comme vous. Et enfin, ne téléphonez jamais quand vous conduisez. C'est très dangereux et interdit. Et vous avez besoin de vos deux mains. Ça sonne Ne répondez pas Allez, bonne route et bonnes vacances. Appartement à louer. Bon, on s'occupe de ton appartement. Je regarde les annonces avec toi. Tiens, cet appart, ça a l'air super. Centre-ville, quartier animé, salon plus chambre, cuisine, salle de bain, cinquième étage, 41 mètres carrés, 890 euros. Ça t'intéresse? Hmm. Quartier animé, ça veut dire du bruit. Et quand on ne dit pas avec ascenseur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ascenseur. Bon. Euh, alors, celui-là. Charmant de pièces, cuisine américaine, salle d'eau, rez-de-chaussée sur rue, quartier très calme. Oh là là, rez-de-chaussée sur rue. Merci. Ça sera sombre et tout le monde regardera dans ma chambre. Et charmant, ça veut dire minuscule en général. Eh, hey, tu es trop difficile. Hein? Il n'y a pas d'autre annonce? Si, écoute. Celle-là est bien, je crois. C'est un studio, mais grand, 44 mètres carrés, au sixième étage, avec ascenseur, salle de bain, cuisine séparée. 900 euros. Pas mal. Il faut voir le quartier. Il est où ce studio? Dans le deuxième arrondissement, c'est bien, non Ah oui, c'est très bien. À ton avis, j'appelle Oui, dépêche-toi, appelle. Oh 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 oh, du calme. J'appellerai plus tard. Juillet. Revoilà les soldes. Les soldes commencent demain. Et j'ai besoin de mille choses. Des chaussures d'été, une robe, un maillot de bain. Je n'ai pas envie d'y aller seule. Tu viens avec moi Bof, moi tu sais les soldes. Il y a toujours un monde fou. Surtout le premier jour. Allez Marie, viens Bon. On commence par quoi Le maillot celui-là, il te plaît Lequel Le deux pièces noir et blanc Non, pas celui-là. L'autre, le noir. Moins 70%. C'est intéressant Mais non, tu es folle. Je vais ressembler à ma grand-mère. Le sien est exactement pareil. Non, moi, je veux un deux pièces et pas noir. Ok. Et le maillot qui est au fond, là, le bleu, blanc, rouge 38. C'est ta taille Arrête Je vais ressembler à un drapeau. Regarde Tu as vu ces sandales Moi, je les trouve bien. Lesquelles Les noires ah oui, pas mal. Elles ressemblent un peu aux miennes. Tu sais, celles que j'avais en Grèce l'été dernier. Elles coûtent combien dix euh, 99 euros, soldé 49... Elles me plaisent. Je vais demander à la vendeuse. Bonjour madame. Je voudrais essayer les sandales noires, s'il vous plaît. Celles qui sont à 49 euros. Oui, bien sûr. Quelle pointure 37,5. Très bien. Asseyez-vous. J'arrive. Voyage, voyage. On retournera sur la côte d'Azur cet été Bof. L'été, il y a trop de monde. Et il fait trop chaud. Tu n'es jamais content. Alors, on ira où L'été, il y a du monde partout. Je ne sais pas, moi. On pourrait aller à la campagne chez... Ah oh non Eric Stop Moi, j'ai envie de me baigner. Et je veux bouger. Bon, alors... Euh, en Écosse ou en Irlande Un endroit où je pourrais pêcher le saumon. Hum. Mmh. Oui. Mais pour se baigner. Et une croisière en Grèce. Ou plutôt en Turquie. Il y aura moins de monde qu'en Grèce. Ça te plairait Ouais, pourquoi pas Mais je crois qu'il y aura autant de monde. Bon, ok, adieu les saumons. Tu regarderas sur Internet Eric, ça y est, j'ai trouvé. Écoute, alors, c'est une croisière d'une semaine. On part d'ici, de Toulouse, et on arrive à Baudrome. On navigue trois ou quatre heures par jour. Il mesure combien ton bateau Je ne sais pas. Mais les photos sont superbes! Écoute, plage sauvage, village pittoresque, convivialité. Oh là 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 là, je suppose que ça veut dire 20 personnes sur un tout petit bateau. Convivialité. Imagine ton oncle Gaston. Tu pourrais passer une semaine avec lui, toi? Laisse ma famille, s'il te plaît. Bon, puisque rien ne te plaît, cherche-toi-même. Zut! Bon, justement, en Irlande, j'ai vu que... La perle rare. Allô, Christine C'est Ben. Tu sais ce qui m'arrive Tu ne devineras jamais. Je ne sais pas, moi. Euh, Qu'est-ce qui se passe Tu as l'air heureux. Tu as gagné au loto. Non, mieux que ça. Euh... Ah! Je sais! C'est facile à deviner. Tu es encore amoureux? Exactement! J'ai rencontré une fille extraordinaire. Oui, comme d'habitude. Non, non, cette fois, c'est sérieux. Elle s'appelle Claire et c'est LA femme de ma vie. Bien sûr, bien sûr! Bon, allez! Raconte, elle est comment celle-là Petite, blonde et douce, comme Jeanne, comme Béatrice, comme Laura, comme toutes les autres Non, elle est belle, grande, mince, sportive. Des yeux magnifiques, des cheveux superbes. Oui, mais des yeux et des cheveux comment Des yeux verts et des cheveux noirs, très longs. Elle joue du violon. Elle aime la nature, les randonnées. Ah bon Eh bien, toi qui détestes la campagne, toi qui n'aimes que le hard rock... Non, tout ça, c'est fini. Nous passerons nos week-ends à marcher. Nous... Et le soir, elle jouera du violon pour toi. Très romantique. Et euh, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ta perle rare Tu vas rire. Elle est prof de karaté. <laughs> Femme dangereuse attention à toi don juan reste fidèle ne la trompe pas celle là c'est une maison blanche élise salut c'est moi victor vous êtes toujours d'accord pour ce week-end j'espère oui mais j'ai peur de me perdre. Ça, c'est vers, c'est dans les Landes, mais c'est où exactement Oh, c'est à 150 km, ce n'est rien. Tu sors de Bordeaux par l'autoroute A63. Tu vas jusqu'à la sortie Mont-de-Marsan. C'est à 70 km à peu près. D'accord Après. Attends, je prends un stylo. Ok. Ça y est Alors, après. Tu prends la Nationale 10, quelques kilomètres. Sortie 18, direction Mont-de-Marsan. Euh, ne vous trompez pas de sortie. Là, tu fais 55 ou 60 kilomètres et... Oh là là Arrête, arrête Je ne comprends rien. On va se perdre, c'est sûr. Bon, ne t'inquiète pas, on regardera sur la carte. Alors, et dans Saint-Sever, elle est où ta maison Facile. Tu traverses le village, tu passes devant la BNP et tu prends la première rue à gauche. C'est la rue tournante. La rue quoi La rue tournante. On habite au 18. Tu verras, c'est une maison blanche avec un toit rouge, des volets verts et un petit jardin devant. Tu vas voir, la forêt des Landes, c'est super. Et ici, on mange comme des rois. Toi qui adores le foie gras, tu vas te régaler. Tu as mon numéro de portable. Oui, c'est toujours le même. Euh, attends. 06 71 89 72 81 Oui, c'est ça. Si tu as des problèmes, appelle-moi. Tu es trop gentille. Salut Hélène. Ça va Qu'est-ce que tu as fait ce week-end Ouh, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Samedi soir, je suis sortie en boîte et en rentrant chez moi, j'ai rencontré une fille dans la rue. Elle était assise par terre, elle pleurait, euh, elle m'a expliqué qu'elle venait de Lyon, elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent, pas d'amis, qu'elle ne connaissait personne ici, à Marseille. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas où dormir. Elle était un peu malade, il pleuvait. Alors, euh, moi, bien sûr, je lui ai proposé de venir à la maison. C'était gentil, tu as eu raison. Et alors Alors, euh, on a dîné, on a un peu bavardé. Elle m'a raconté que ses parents étaient morts, qu'elle cherchait du travail. Elle a dormi sur le canapé du salon. Et alors tu devines Hier matin, fout Plus personne. Partie Mais, en partant, elle a emporté pas mal de choses. Des DVD, des vêtements, un collier, des bagues. Hélène, Hélène, tu es beaucoup trop gentille. C'est la troisième fois que ça t'arrive Oui, je sais. Mais c'est plus fort que moi. Page 76. Leçon 16. Attention aux parapluies. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici C'est cette dame. Elle est folle. Elle dit que je veux kidnapper son chien. Mais je n'ai rien fait. Elle m'a frappé avec son parapluie. Je vous ai vu, voyou. Allez, allez, du calme, du calme. Soyez poli. Monsieur, expliquez-moi. Dites-moi ce qui se passe. Voilà. J'étais là, sur ce banc, en train de lire tranquillement au soleil. J'ai vu ce petit chien. Là, il était tout seul. Il avait l'air abandonné. Ah, oh, ça par exemple, c'est trop fort. Mon trésor, abandonné. Mais pas du tout. Madame, s'il vous plaît. Continuez, monsieur. Alors, moi, j'ai pensé qu'il était perdu. Je n'ai vu personne. J'ai demandé aux gens qui étaient là, personne ne savait rien. Et alors Alors, il a voulu voler mon chien, mon kiki chéri, mon bijou. Mais non, enfin, vous avez tort. Je voulais l'emmener à la SPA, c'est tout. Vous ne savez pas quoi faire. Un pauvre petit toutou perdu comme ça, tout seul. Moi qui adore les animaux. Vous savez, j'ai deux chats. Un poisson rouge. Un. D'accord, d'accord. Et vous, madame, où étiez-vous J'étais aux toilettes quelques minutes. Et en sortant, j'ai vu cet homme qui. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Ça suffit comme ça. Partez avec votre kiki et n'oubliez pas votre parapluie. Des voisins. Impossible. Bonsoir Jules. Alors, tes nouveaux voisins, ça va mieux Salut Germain. Oh non, c'est pire. Ils sont vraiment impossibles. Mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que tu leur reproches Tout. Ils rentrent tard. Ils écoutent de la musique après 22 heures. Ils parlent fort. Ils se disputent. Ça nous dérange. Mais ils s'en moquent. Bah, ils sont jeunes. Jeunes, jeunes, ce n'est pas une excuse. Nous aussi, on a été jeunes. Je ne sais même pas s'ils sont mariés. Et leur chien Il aboie toute la nuit. Et en plus, il déteste notre pauvre chat. Ça c'est normal, un chien et un chat. Mm -hmm. et, et ils font des barbecues dans le jardin presque tous les soirs. Tu imagines le bruit, l'odeur, la fumée et leurs copains. Ça va, ça vient, ça entre, ça sort. Ils ont un drôle de style, leurs copains. À mon avis, ils doivent fumer autre chose que des cigarettes. Oh, tu exagères. <laughs> On n'en peut plus. Marie-Louise va tomber malade si ça continue. Ça me met en colère. Qu'est-ce que tu vas faire Je crois que je vais porter plainte. Ça suffit comme ça. Attends. Avant de faire ça, essaie de discuter avec eux. Tu ne leur as pas parlé Si. Mais ça ne change rien. Ils s'en moquent. On se sent plus libre. Bonjour, le Pax existe depuis 1999. Il a donc 12 ans et il a de plus en plus de succès. Son nombre augmente tous les ans et celui des mariages diminue. En 2000, il y a eu 20 000 Pax et 10 ans plus tard, 10 fois plus. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est ce fameux pacte civil de solidarité C'est un contrat entre deux personnes de même sexe ou de sexes différents, qui veulent vivre ensemble, mais qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier. Attention, on ne peut pas se paxer avec une personne de la famille proche, parents, frères, sœurs, oncles, tantes, ni avec un mineur, ni avec une personne déjà mariée ou déjà paxée. Pourquoi ce choix nous allons demander à Julien et à Noémie. Ils ont 25 ans et ils se sont paxés il y a trois mois. On commence par vous, Noémie. Alors, pourquoi avez-vous choisi le Pax Parce que le mariage, moi, ça me fait peur. Mes parents ont divorcé. C'était terrible. Avec le Pax, on est plus libre, à mon avis. Si ça ne va pas, on arrête. Divorcer, c'est compliqué et difficile. Mais casser un pax, c'est simple. On se mariera peut-être, mais plus tard. Et vous, Julien, êtes-vous d'accord avec Noémie Oui, je trouve qu'elle a raison. Le pax, c'est bien, on se sent plus libre. Et puis pour les impôts, il vaut mieux se paxer. En plus, moi, je déteste les formalités. Se paxer, c'est une demi-heure, pas de chichi. Pas de robe blanche, pas de grande fête. C'est moins officiel. Enfin, chacun fait comme il veut. Vivre avec un ado. Bonjour Christine. Ça va ce matin Bof, ma fille a encore fait une scène hier soir. Vraiment, en ce moment, c'est l'horreur. Elle est en pleine crise d'adolescence. J'en ai assez. Je connais ça. C'était la même chose avec les miennes. Et avec Lucas, ce n'est pas mieux. Il n'a que 12 ans, mais ça commence. Hein. Il critique tout ce que je fais. Il dit non à tout ce que je propose. Il ne veut aller nulle part. Et au collège, c'est notre baisse. Lui qui travaillait si bien l'année dernière. En plus, ses profs disent qu'il devient insolent avec eux et que son comportement a changé. Oh là là, ils sont tous comme ça à cet âge-là. Marine, c'est différent. Elle, elle n'ouvre pas la bouche. Il faut l'appeler vingt fois pour dîner. Elle arrive de mauvaise humeur, pas un bonjour, pas un s'il vous plaît, pas un merci. Si on lui fait une remarque, elle explose. Vlan, les portes claquent. Elle s'enferme dans sa chambre pour écouter sa musique. Elle reste des heures à téléphoner à ses copines. Elle est impossible. Surtout avec moi. Oui, ça me rappelle exactement mes filles. Je me souviens, c'était pareil. Les mères et les filles, c'est compliqué. Ne t'inquiète pas. Tu verras quand elle sera amoureuse, ça passera. Patience. Ah bon Tu crois Mais oui, ça va passer. Tu te souviens On était pareils avec nos mères. Partageons la ville. Bonjour, monsieur. Je fais une petite enquête sur Belleville. Vous habitez ici Oui, madame, depuis 38 ans. Oui, je suis arrivé il y a 38 ans exactement. Et je ne voudrais pas vivre ailleurs. C'est un quartier populaire, c'est vrai. Ce n'est pas très riche. Mais si on me proposait d'habiter dans les beaux quartiers, même au palais de l'Élysée, eh bien, je dirais non, je refuserais. Et pourquoi vous aimez tellement ce quartier eh, hey, regardez autour de vous et vous comprendrez. On n'a pas besoin de voyager. Le monde entier est là. Et c'est comme ça depuis toujours, vous savez. Moi, par exemple, je viens de Tunisie. Dans mon immeuble en bas, il y a des Chinois à gauche, des Français à droite. Au premier, il y a moi à gauche, des Polonais en face. Au deuxième, des Chinois et des Congolais. Au troisième. Oui, oui, je vois. C'est la tour de Babel. C'est Babelville, quoi. Et ça ne pose pas trop de problèmes Ouf, c'est un peu comme dans une famille. On se dispute quelquefois, mais ça va. Les enfants jouent ensemble. Et nous aussi, les parents, on se parle. Certains sont arrivés depuis des années. D'autres sont là depuis pas longtemps. Mais finalement, on est presque tous des immigrés ici. Hein on a tous les mêmes problèmes, vous savez les papiers, le travail, les enfants. La santé. En discutant ensemble, on finit toujours par se comprendre. On se voit au marché. Si vous venez demain, vendredi, vous le verrez, le marché. C'est un vrai spectacle. Il y a tout. Et c'est le moins cher de Paris. C'est vrai Alors je viendrai. Je voudrais qu'il soit grand, beau. Hein Dis donc, Margot, regarde Manu, comment tu le trouves Il est pas mal, non Bof, c'est pas mon genre. Il est trop petit, il a l'air trop jeune. Tu es difficile. Moi, je le trouve drôle. C'est exactement le genre de garçon qui me plaît. Et toi, c'est quoi ton genre Tu aimerais qu'il soit comment, ton copain Alors, je voudrais qu'il soit grand. Et puis, il faut qu'il ait l'air sérieux. Manu, lui, il fait tout le temps l'idiot. J'aimerais aussi qu'il soit intelligent, bien sûr. Mais pas toujours le nez dans les livres. Et puis, il faut aussi qu'il soit fidèle et que... Tu ne trouveras jamais un type avec tout ça. <laughs> tu rêves. 2. J'en ai assez d'habiter ici. Je voudrais bien déménager. Pas toi Si. On peut toujours rêver. Qu'est-ce que c'est pour toi la maison idéale Oh là là J'y ai pensé mille fois. D'abord, je voudrais qu'elle soit au bord de la mer. Ça, je trouve que c'est indispensable. Il faut qu'il y ait une terrasse. J'aimerais aussi avoir un petit jardin derrière la maison, avec des arbres, des fleurs. Et toi Non, moi je préférerais un appartement à Paris, par exemple, dans l'île Saint-Louis. Pas trop grand, mais au dernier étage, avec une terrasse. Il faudrait qu'on soit milliardaires toutes les deux. Si on joue au loto. Le 1er janvier, Théo change de vie. Cette année, j'ai décidé de changer de vie. Oui, bien sûr, comme chaque année. Qu'est-ce que tu veux changer cette fois-ci Mille choses. D'abord, arrêter de fumer. Ah oui ça, ça serait bien que tu le fasses. Mais j'entends ça tous les ans. Non, cette fois, c'est décidé. Et puis, il faut que je lise plus, que j'aille voir des expositions, que... Oui, il faudrait aussi que tu sois moins souvent devant la télé et que tu fasses un peu plus de sport. Oui, je voudrais bien m'inscrire à un club de gym. Mais c'est cher. Il faudrait que vous m'aidiez. Tu n'es pas un peu paresseux, mon chéri. Commence par aller à la fac à pied ou à bicyclette. Et puis va à la piscine. Tu ne veux pas qu'on y aille ensemble Bof, mmh, je préfère y aller avec mes copains. Merci, c'est charmant. Écoute, papa et toi, il faut que vous compreniez que j'ai besoin qu'on ne soit pas toujours derrière moi à me dire « Fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. » D'accord, Théo. Nous aussi, tu sais, on serait content que tu sois plus indépendant. Par exemple, on aimerait bien que tu finisses tes études. Que tu trouves un boulot, que tu aies un studio à toi. Tu as 29 ans, tu sais Oui, je sais. Mais vous aussi, il faudrait que vous preniez de bonnes résolutions pour cette année. Ah oui, lesquelles Eh bien, par exemple, j'aimerais que vous soyez plus compréhensif avec moi. Peur de tout, peur de rien Peur en avion. Alors, ça y est Tu pars quand Tu as de la chance, San Francisco, oh, c'est mon rêve Oui, s'il n'y avait pas le voyage en avion, ce serait le bonheur. C'est vrai que c'est un peu long. Oh, ça, ça m'est égal. Non, moi, l'avion. C'est ridicule, mais. À chaque fois, je suis mort de peur. Ne le répète à personne je ne veux pas qu'on le sache. Mon pauvre Samy, prends des tranquillisants. J'en prends, mais ça ne suffit pas. J'ai tout essayé, tu sais. Je n'y peux rien. J'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai envie de hurler. Il faut que tu fasses quelque chose contre ça. J'ai une idée. J'ai un copain qui avait le même problème que toi. Il a appris à piloter un avion. Maintenant, ça va. Il n'a plus peur. C'est une bonne idée. Un peu cher, bien sûr. 2. Peur dans l'ascenseur. Sixième étage. Ouf. Heureusement, il y a un ascenseur. Pas moi, merci. Je monte à pied. Les ascenseurs, ça me rend malade. Ah bon Pourquoi Je ne supporte pas d'être dans un endroit fermé. Les ascenseurs, les cinémas, le métro... J'ai toujours peur qu'il y ait une panne ou un incendie et qu'on ne puisse pas sortir. Dis donc, ça doit te compliquer la vie. Malheureux au jeu, heureux en amour. 1. Hein? Ça ne va pas, Léa Tu as l'air bizarre Regarde mon horoscope. Bélier, prudence les astres ne sont favorables ni en amour ni au travail. Petit risque d'accident. Il faut que vous fassiez attention. Aïe aïe aïe. Et moi Regarde mon signe. Je suis cancer. Alors... Euh, cancer. Vous êtes protégé par Vénus. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Et au boulot Ça va. Travail. Vous êtes très apprécié par vos supérieurs. Excellente perspective. Deux. Alors, les deux Renault, Yukiko et ses filles, Martin, Paul et Léo, John et Julie, nous deux, Mamie, oh! Zut, ça fait 13 en tout. Ah non, 13 à table, impossible. Tu n'as pas une idée pour un quatorzième? Le nouveau voisin d'en face. Il a l'air sympa. On l'invite. 3. Tiens, écoute, vendredi 13, tirage du loto exceptionnel. 18 millions d'euros en jeu. Bon, fou. moi je ne gagne jamais, je perds toujours. Allez, ce n'est pas grave. Malheureux au jeu, heureux en amour. 4. Tiens, regarde ces petits couteaux en argent. J'ai envie de les acheter pour Gabriel et Ben. Je suis invitée chez eux demain soir. Ça leur plaira Tu es folle On n'offre jamais de couteau. Ça coupe l'amitié. Tu crois Oh zut J'ai fait tomber un miroir. Il est cassé. Oh C'est tant de malheur. Et dix euros pour le miroir, mademoiselle. À Paris. Pardon, madame. Où est le métro Saint-Michel Le métro Saint-Michel Attendez une minute. Nous sommes au boulevard Saint-Michel. La fontaine est là-bas. Oui, d'accord. Mais où est le métro, s'il vous plaît Mais bien sûr. Voilà la scène. Et voici le pont. C'est joli. Mais s'il vous plaît. Ce n'est pas à gauche. Alors c'est à droite. Voilà, le métro est à droite. Mais vous êtes sûr Non, je suis touriste aussi. Au magasin. S'il vous plaît, madame, est-ce qu'il est cher ce chapeau? Non, il n'est pas cher. Le prix est très raisonnable. Bon, et où sont les gants? Les gants sont là-bas, vous voyez? Ah, merci. Mais est-ce qu'ils sont en laine Non, ils ne sont pas en laine, ils sont en acrylique. Bon. Euh... Est-ce qu'il est 5 qu heures Comment Ah, je comprends. Vous attendez votre mari Oui, c'est ça. Et... Il pleut dehors, alors non, madame, il n'est pas cinq heures. Au café. Messieurs, vous désirez... Deux cafés, s'il vous plaît. Et deux croissants chauds. Ah, vous êtes anglais. « Je suis de London. Euh, pardon, Londres. »« Mais vous parlez bien le français. »« Merci. Vous êtes gentil. »« Nous, les Français, nous sommes tous gentils. »« Pardon, messieurs. Voici les cafés et les tartines beurrées. »« Et alors, où sont les croissants ?» Excusez-moi, messieurs. Et dépêchez-vous. Alors, vous êtes sûr qu'ils sont toujours gentils, les Français Au café, au tabac, dans la rue. Commandons. Deux tartines beurrées s'il vous plaît. Et deux cafés noirs. Trois bières allemandes et un verre de vin blanc. Trois paquets de cigarettes brunes, s'il vous plaît. Et un cigare hollandais. C'est tout Non. Est-ce que vous avez un briquet rouge Non, monsieur. Je suis désolé. Pardon, monsieur. Est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît Non, je ne fume pas. Alors, moi non plus. Une conversation téléphonique. Bonjour. Est-ce que M. Legrand est là, s'il vous plaît Non, il est absent pour le moment. Ah bon. Est-ce qu'il est là cet après-midi Oui, il arrive à 3 heures. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Les achats. Bonjour, monsieur Lefèvre. Comment ça va Bien, merci. Et vous Ça va, merci. Est-ce que vous avez du beurre Oui, bien sûr. Alors, une plaquette de beurre. Est-ce que vous avez du fromage italien Du parmesan Non, je n'ai pas de fromage italien. Dommage. Eh bien, donnez-moi du fromage ordinaire. Mais, Monsieur Lefebvre, nous n'avons pas de fromage ordinaire en France. Nous avons un fromage pour chaque jour de l'année. Alors, donnez-moi le fromage d'aujourd'hui. Une visite. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que votre père est à la maison Non, monsieur. Il est au bureau. Vous voulez parler à ma mère Non, ne la dérangez pas. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalement Oh, pas avant 8 heures. Vous voulez l'adresse de son bureau Oui, s'il vous plaît. Attendez, je la cherche. Voilà, 7 rue Marbeuf dans le huitième. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. De rien, monsieur. Au revoir. Très simple. Ce monsieur s'appelle Henri Laforge. Et cette dame et sa femme. Ils sont à la mairie pour demander une nouvelle carte d'identité pour leur fils, Jean. Cet enfant, il a quel âge Il a huit ans, monsieur. Et il s'appelle Laforge. Est-ce que c'est votre enfant Oui, monsieur. Bien. Et il habite chez vous mais évidemment, il a huit ans. D'accord. Je fais mon travail, c'est tout. Est-ce que vous avez le formulaire B52? Oui, monsieur. Nous l'avons. Et l'imprimé A65? Ça aussi, nous l'avons. Ah bon? Mais. Est-ce que vous avez son extrait de naissance Bien sûr, nous avons même une photo. Très bien. Alors, je vous fais la carte. Voilà. Vous réglez à la caisse. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Bonsoir. Monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché et il monte à son appartement. D'abord, il met le répondeur téléphonique parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis il dîne met les assiettes dans le lave-vaisselle et allume la télévision. Il regarde les informations et quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. Il aime cette vie tranquille et paisible. Mais ce soir... Malgré les 80 chaînes disponibles sur le câble, il ne trouve pas d'émission intéressante. Eh bien, je vais écouter de la musique et passer une soirée calme. Un peu de révision. À quelle heure est le film ce soir à 8h30. Et qu'est-ce que c'est C'est un film espagnol. Et c'est bien Je ne sais pas. Je ne connais pas le metteur en scène. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la radio Rien d'intéressant. Alors, je vais lire un roman. Un jour, dans un bus à Lyon, un jeune homme est assis en face d'une vieille dame. Il marche du chewing-gum. Elle le regarde pendant cinq minutes et dit ⁇ C'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme !⁇ je suis complètement sourde. Un tour dans Paris. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, messieurs. Je suis votre guide. Alors, commençons ici par la place du Panthéon. À ma droite, vous voyez le Panthéon même. Et à ma gauche, l'église Saint-Étienne-du-Mont. Pardon, monsieur, dit un touriste, mais où Tout à l'heure, répond le guide. D'abord une église, le Panthéon. S'il vous plaît, monsieur, dit le même touriste, mais où sont mais laissez-moi terminer, je vous en prie, répond le guide. Mais monsieur, c'est très important. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir Où sont les toilettes La belle musique. Est-ce que vous aimez cette chanteuse Bof, elle a une assez belle voix. Mais je trouve que ses chansons sont idiotes. Les paroles sont bêtes et la musique est triste. De toute façon, J'aime seulement la musique classique. Vous n'aimez pas du tout la musique moderne Si, mais seulement quand les chansons sont intelligentes et belles. Qui aimez-vous par exemple J'aime bien Coco et les clowns. Une affiche sur la vitrine d'un magasin. Nous recherchons un vendeur, jeune ou vieux, plein temps ou temps partiel, expérimenté ou débutant. Et en dessous, ajoutez au crayon, mort ou vif. Au téléphone. Allô? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil Ah, bonjour Sophie. Bien. Et vous Oh, quel dommage J'espère que ce n'est pas grave Heureusement. Jacques Oh, il va assez bien. Mais il a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances Ne me faites pas rire. Nous n'avons pas assez d'argent. Et vous Comme tout le monde Avec plaisir. Quand Samedi prochain Attendez, je vais voir. Ne quittez pas. Non. Samedi, ma mère vient dîner à la maison. Dimanche Je pense que nous sommes libres. Oui. Dimanche, c'est parfait. À 8 heures. D'accord. Soignez-vous. Merci. Au revoir. Au téléphone. Allô Anne-Marie C'est Sophie. Comment allez-vous Moi j'ai la grippe. Non, ce n'est pas trop grave. Et comment va Jacques Vous prenez des vacances bientôt Non, malheureusement ça coûte trop cher. Dites-moi, est-ce que vous voulez venir dîner un soir Disons samedi prochain. Tant pis. Eh bien, dimanche. Ça vous va Parfait. Venez vers 8 heures. Pas trop tôt. Oui, oui. Je prends beaucoup de médicaments, beaucoup trop. Allez, dites bonjour à Jacques pour moi. Je vous embrasse. Au revoir, à dimanche. Deux conversations au restaurant. Qu'est-ce que vous mangez Ça sent bon. C'est une daube de bœuf. Vous en voulez Non, merci. Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé. Alors, prenez un verre de vin Non, merci. Je n'ai pas soif non plus. Mais je vais prendre un café. Bien. Garçon, deux cafés et l'addition, s'il vous plaît. Je ne vais pas prendre de vacances cette année. Ça coûte beaucoup trop cher. Et vous Moi, je vais en Grèce en septembre pour deux semaines. En Grèce Vous avez de la chance. Je suis jaloux. Encore un peu de révision. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques expressions utiles. Venez vers 8 heures, d'accord Parfait. Elle est malade et elle prend beaucoup de médicaments. Je cherche un grand sac en cuir. Vous en avez un il n'a pas faim et il n'a pas soif. Il a déjà mangé. Qui est à l'appareil Ah, Sophie, comment allez-vous Ma femme a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances Ne me faites pas rire. Vous voulez un verre de vin Avec plaisir. Comment vous appelez-vous Je m'appelle Sophie Delay. Je suis désolée. Je suis pris samedi soir. Eh bien tant pis. Cette nouvelle robe vous va très bien. Les passe-temps nationaux. Les Français sont passionnés par les jeux d'argent. Chaque semaine, des millions d'hommes et de femmes jouent à l'un des principaux jeux, le loto, les jeux instantanés et le PMU. Les deux premiers sont des jeux de hasard. Il faut soit choisir des numéros dans un certain ordre, soit gratter des cases sur un ticket qu'on achète dans un bureau de tabac. En revanche, les courses demandent un peu plus de connaissances. On doit sélectionner les chevaux en fonction de leur performance dans d'autres courses. Il y a aussi des jeux de casino, mais ils sont très strictement réglementés. Dans tous les cas, les joueurs ont tous la même idée en tête, faire fortune. Mais du fait qu'ils sont très nombreux, il y a peu de gros gagnants. C'est ça, les jeux de hasard. Un jour, vous perdez, et le lendemain, vous perdez encore. Le loto. Qu'est-ce que vous faites, Jean Je fais mon loto. C'est un jeu très intéressant. Regardez. Vous prenez cette carte et vous choisissez une série de numéros. Par exemple, ici, j'ai le 5, le 7, le 11, le 22, le 43 et le 48. Ensuite, vous mettez une croix sur ces numéros et vous donnez la carte au patron du tabac. Et alors Ben, vous attendez les résultats. Si vous avez choisi les bons numéros, vous gagnez. Et vous avez gagné Non, pas encore. Bon, moi je vais jouer. Je choisis le 2, ensuite le 13, le 14, le 20, le 30 et le 32. Le passe-temps numéro 1. Il y a un autre jeu que nous avons oublié. C'est le jeu de boules ou la pétanque. Un jeu qui vient du sud de la France. Partout où il y a un peu d'espace, vous voyez des joueurs de boules qui jouent dans les parcs ou sur la place du marché. C'est un jeu qui demande beaucoup d'habileté, beaucoup de concentration et un peu de passion. Mais il y a un autre passe-temps en France. Les gens le pratiquent, ils en parlent, ils le vivent à chaque moment. C'est la passion nationale numéro un bien manger. Les commerçants Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Quand vous voulez du pain, vous allez chez le boulanger. Là, vous trouvez non seulement des baguettes, mais aussi des croissants, des tartes. Et des gâteaux. Si vous avez besoin de viande, vous allez chez le boucher. Vous pouvez y acheter toutes sortes de viande et de volailles. Et si vous avez envie de bons jambon, de pâté ou de saucissons vous allez chez le charcutier Le lait, le beurre, la crème et les œufs, on les trouve à la crêmerie. Chez l'épicier, il y a des fruits et légumes et beaucoup d'autres choses. Et quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, vous allez à la pharmacie pour acheter de l'Alka-Seltzer. Le métro. La meilleure façon de visiter Paris, c'est à pied. Mais si vous voulez aller d'un endroit à un autre rapidement, faites comme les Parisiens, prenez le métro. Le système est très efficace et en plus, il n'est pas cher. Le prix de votre ticket ne dépend pas de la longueur du trajet. Il coûte le même prix pour deux stations que pour dix. Les trains circulent tous les jours de 5h30 jusqu'à 1h du matin. Pour aller en grande banlieue, vous pouvez emprunter le RER. Pour aller de Vincennes au quartier latin, Prenez la ligne numéro 1. Vous changez à Châtelet et vous descendez à Saint-Michel. Chez M. Duclos. L'appartement de M. Duclos est composé de deux pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. Il se trouve dans un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Il y a six étages et une concierge. Monsieur Duclos vous ouvre la porte et vous arrivez dans l'entrée. À droite, il y a la cuisine et à côté, la salle de bain. Plus loin, on voit la pièce principale, le salon. qui est meublé avec beaucoup de goût. Il y a deux beaux fauteuils et un canapé confortable. Au milieu de la pièce, il y a une table basse. Les fenêtres du salon donnent sur une petite cour. Chez Monsieur Duclos, Suite. Dans sa chambre, M. Duclos a un grand lit, une armoire où il range parfois ses vêtements, et une table de nuit. Un radio réveil est posé dessus. Sur les murs, il y a des photographies De paysages de France. Monsieur Duclos est citadin, mais il rêve de vivre à la campagne. Néanmoins, il a des voisins sympathiques. L'appartement au-dessus appartient à un pilote de ligne qui voyage beaucoup et qui n'est jamais chez lui. Et en dessous vit un vieil homme sourd. C'est pourquoi M. Duclos n'a jamais de problème de bruit.